Mon nom est Optimus Prime. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va continuer du coup la série à monter de Transformers. On va monter ensemble la figurine Optimus Prime de chez Altaïa. Voilà, numéro 2. On va le monter ensemble. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît. Puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la collection. Et du coup, c'est parti, on y va. On se retrouve pour le numéro 2. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer surtout à la moitié droite de la porte. Donc, voilà, il y a pas mal de pièces. Et il faut savoir qu'avec cette pièce-là, il m'est arrivé une couille. C'est que quand je l'ai déballée, elle n'était pas collée. Elle était décollée, donc j'ai foutu un petit coup de colle. Léger, vraiment léger. Que j'ai étalé sur tout le long de, heureusement que c'était sur le plastique, et du coup ça c'est collé sur le plastique, sur le métal, et du coup il y avait encore un petit peu genre de petites traces de plastique, du coup j'ai profité pour coller. Mais là c'est très fragile, si vous voyez la même chose, mettez-y un tout petit coin de colle et vous l'étalez doucement et vous appuyez pour le laisser coller, et voilà, ça serait pas fini, c'est très fragile. Et pour l'information de celle-là, je l'ai vissé sur une vis parce que c'est très compliqué, je vous expliquerai pourquoi. On commence coup par la base que j'ai reçue ici. On va prendre la pièce 2G et la pièce 2A. Et on va y mettre deux vis AM. C'est parti. Voilà, comme ça. Un peu serré, ça reste rien, c'est du métal. Mieux que ça tienne, que pas du tout. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on nous dit de prendre la base du torse et de mettre la pièce dans la jonction de gauche face à nous. Donc on va le faire de suite. Ceci. Donc là, il nous demande de prendre la vitre, donc la 2C, la 2B, donc la pièce en métal, et de mettre deux vis AM sur la vitre. Sans trop serrer trop fort parce que ça peut casser, je pense, sur le plastique. Parce que la vitre est en plastique. Voilà, comme ça. Impeccable. On nous demande de prendre les trois argots en plastique du camion et d'y mettre les petites LED dessus. Et après, on passera à l'étape où on doit mettre les trappes de LED sur le capot. C'est parti. Ça se rentre tout seul. Voilà. C'est impeccable. Il faut faire ça pareil sur les autres. Voilà. Alors moi je l'ai mis. Mais je vous montrerai, j'ai laissé une vis dessus et je vous expliquerai pourquoi je l'ai vissé de suite. Hein. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc là, on prend du coup les argots. Il y a un trou, il y a un détrompeur. Hein, vous voyez, il y a un détrompeur. Vous mettez ici, un là. Vous appuyez et ça tient. Hop. Et hop. Vous pouvez les mettre n'importe quel sens. Les trois sont la même taille. On nous demande de, voilà, donc l'étape que je vous disais, de mettre du coup les deux vis sur ce petit bout là de 1, parce que en fait ces petites vis là, elles sont minuscules et mon
mon petit morceau de plastique ne tient pas, donc j'ai mis un tout petit point de colle pour que ça tienne, ça ne tenait pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé, j'ai mis une vis, comme ça je suis sûr que je pourrais mieux le régler. Et quand vous allez voir la taille de la vis, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est parti, on s'occupe de ça. Donc voilà, ici, la petite vis, comparé à mon doigt, est minuscule. Et je vais vous la montrer de suite. Hein. Très petite. Très très petite. Et je trouve que ça, ils auraient mieux fait de le fixer directement. Parce que là, c'est vraiment une galère. Est-ce que ça l'a pris? Est-ce que ça l'a pas pris? Je sais pas. Je sais pas si ça l'a pris. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. On va le tenir maintenant. C'est pas évident du tout. Vraiment pas. Ça a dû le visser, ouais. Ouais, ça l'a vissé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très petit. C'est pour ça que je vous dis, mettez d'abord le truc, mettez une vis, comme ça vous êtes tranquille, parce que vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous faire... vous allez vous prendre la tête, en vrai, pour monter ce truc, et c'est vraiment très, très petit. Voilà. Une fois cette étape faite, on nous demande de mettre le petit verre sur le pare-brise. C'est parti, on va le faire. Ça aussi, c'est très minutieux. Donc, on y va. C'est la dernière étape de ce numéro qui est très court. Donc, vous pouvez pas tromper. Un petit truc. Tiens, ça a l'air de tenir. Mais voilà, ça tient. Voilà. Voilà, voilà ce que nous avons pour ce numéro 2. Donc voilà. Pour le numéro 2, ce que l'on reçoit, du coup, on reçoit le torse, début du torse du train de l'Optimus Prime. Très gros. Voilà. Et on reçoit aussi en même temps le premier morceau du camion. Voilà, c'est une pièce. Hein. Et voilà, faites vraiment attention, comme je vous ai dit, sur ça, parce que c'est très minutieux, c'est très fin. Et vraiment, je sais même pas si à la caméra on voit les vis de là. Vous voyez, les vis, elles sont très très petites en fait. Et du coup, ben, voilà, faut arriver à les placer sans trop appuyer. Et voilà, moi j'ai fixé avec de la colle, c'est pour ça que j'avais ça déjà monté dessus. Voilà ce qu'on reçoit pour le numéro 2. Ça va être très long, il y a 115 numéros, mais on va y arriver. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime sous la vidéo. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites la notification et on se retrouve pour le prochain numéro. Bye bye.